ابتداء من البو رئيس بلدية باريس والأستاذة ميرا مبرور رئيس بلدية بيت لحم ورئيس مجلس سلطة المياه والمجاري بيت لحم بيت جالا بيت صحيول التقدم من أجل التوقيع على اتفاقية التعاون الأولى بعنوان تطوير خطة هيكلية لتجمعات واختلاط المياه في محافظة بيت لحم. Nous avons donc signé la première convention qui est le développement d'un plan structurel pour l'eau dans le gouvernement de Bethléem. Donc je demande à Madame Hidalgo, maire de Paris, Madame Vera Baboum, maire de Bethléem, et le président de WSSA de venir pour signer cette première convention. Et maintenant pour la signature de la convention pour la réhabilitation du réseau d'eau. Donc on demande à Madame Verzagon, en tant que secrétaire et présidente du WSSA, Monsieur le ministre Mazen Gounen, président de l'Autorité Christine de l'eau, et Madame Régine Armstrong, directrice d'eau de Paris, et Monsieur Bruno Jouet, directeur de l'AFD, de procéder à la signature. Thank you.
بمبادرة رائعة من رئيسة بلدية باريس، سأقوم الآن بتقديم وسام التميز الخاص بمدينة باريس للأستاذة فيرا بابروت. Chers amis, je suis très heureuse, très honorée d'être ici à Bethléem. C'est une ville que j'aime et j'apprécie tout particulièrement aussi la mère de Bethléem. أصدقائي الأعزاء، أنا سعيدة جدا لكوني هنا اليوم في بيت لحم، المدينة التي أحبها وأحب بالخصوص رئيسة بلديتها مدام فيرا بابروت. J'ai beaucoup d'admiration pour Vera Babroun. Une femme, mère, nous ne sommes pas très nombreuses à travers le monde. Mais une femme mère à Bethléem qui relève des défis immenses. وطبعا رئيسة بلدية بيت لحم تواجه صعوبات مجمعة وكثيرة. Avec beaucoup de force, avec beaucoup de conviction et avec une très très belle personnalité. ولديها قوة وقناعة كبيرة وشخصية جميلة جدا. Je veux au nom de Paris lui remettre la médaille Grand Vermeil de la ville de Paris. باسم مدينة باريس سأقوم بتقليل السيدة فيرا بابروت بمثال مدينة باريس الشرفي. هذا أكبر إنسان شرف يمكن الحصول عليه في مدينة باريس. Cher Vera, c'est un signe d'amitié et de soutien que de te remettre aujourd'hui cette médaille Grand Vermeil de la ville de Paris. فيرا العزيزة، هذه علامة على صداقة ودعم لأن قبضك اليوم بوسام الشرف في مدينة باريس. Vous avez dit que vous êtes une amie, je vous considère aussi comme une amie. Sans cette amitié, on n'aurait pu, on n'aurait pas pu construire ce partenariat. Merci beaucoup pour cette médaille qui a un sens tout particulier pour moi. Je remercie donc tout le conseil de Paris également, je le remercie pour cette médaille. إن تكريم رئيسة بلدية بيت لحم بالنسبة لي عدا عن المنحة والهوية الشخصية له معنيان أصيلان. Cette remise de médaille en plus donc de ma personne a deux sens additionnels. فبتكريم رئيسة بيت لحم أيضا أنت تكرمين رسالة مدينة بيت لحم. En remettant cette médaille, vous remettez une médaille au message que porte, aux valeurs que porte la mairie et la ville de Bethléem. Un message de paix, d'amour et d'espérance. Vous
vous remettez une médaille au message qui est de paix, le message divin, le message culturel et civilisationnel de Bethléem. كريم رئيسا بيت رحم كامرأة أنت تكذبين كل السنية في هذه البقعة من الأرض. Comme vous avez choisi de me remettre la médaille en tant que femme, mère, aussi vous êtes en train de remettre une médaille à toutes les femmes palestiniennes et à toutes les femmes dans le monde. امرأة قامرة. امرأة قادرة على الصمود على العطاء وعلى La femme palestinienne est capable de donner aussi mais aussi de rester et de faire face à tous les défis. امرأة تعمل لتعيش بنهاية الأمر حلم واحد. C'est une femme qui vit pour un seul rêve. حلم الحرية حلم السلام لها ولباقي أبناء شعبنا الفلسطيني فأنت جربت الاثنين معا. Le rêve de la paix et le rêve de la liberté pour elle et pour tous les peuples palestiniens. Vous allez donc aussi aujourd'hui donner un message à toutes les femmes de Palestine. بشكل شخصي أقول لك وأخاطبك كأخت وصديقة وزميلة وأقول لك شكرا. Donc je vous le dis en tant qu'une amie, en tant que sœur, en tant que collègue, merci beaucoup. إن في مدينة بيت رحم توجد أقدم شجر زيتون في العالم. Dans la ville de Bethléem, il y a l'olivier le plus ancien du monde. وعمرها 5030 سنة في قرية الولجة في محافظة بيت لحم. Dans un petit village de Bethléem, Walajé, il y a cet olivier qui date de il y a 5030 ans. في هذه الهدية نقدم لك رمزية مدينة بيت لحم وأصلها ألا وهي مغارة الميلاد. Et bien sûr, donc ici vous avez le symbole de la ville de Bethléem, c'est-à-dire la nativité. وأيضا هذه المغارة تحفر برمز البقاء والصمود والتجذر بخشب الزيتون. Et cette grotte qui symbolise donc aussi la volonté de rester, la volonté de résister, est aussi faite en bois d'olivier. بالنيابة عن أهل بيت لحم عن مجلس بلدي بيت لحم أشكر جميع الحاضرين أشكر مجلس بلدية باريس وأنا أيضا وقبل بدء الفقرة الأخيرة أطلب من الراهبات الثلاث سير جورج سير فيميا سير نوال راهبات طلب de Saint Joseph avant de donc de procéder à la dernière لقد طلبت أن هديغو رئيسة بلدية باريس أن تزور مدرسة في مدينة بيت لحم تعلم اللغة الفرنسية. Elle souhaite que vous rendez visite à cette école à Bethléem qui enseigne le français. كان الخيار مدرسة ترسانتا راهبات ماري يوسف. Donc nous avons مدرسة تعلمت بها وتخرجت منها. C'est là où j'ai moi-même fait mes études où j'étais à l'école. مدرسة أبدعت الراهبات في أن تربي أجيال وأجيال من النساء. Sœur de Saint-Joseph ont excellé dans leur travail génération après génération. فهن لم يعلمن اللغة الفرنسية فقط. Non seulement elles enseignent la langue française. بل أبدعن في أن يربين نساء في مدينة بيت لحم. Génération de femmes sont capables de travailler et de défendre la ville de Bethléem. شكرا. Merci. شكرا للجميع.
شكرا لوزارة المحلي، شكرا لغدا، شكرا لهم، شكرا لرؤساء البلديات، كمان رئيس بلدية بيت جالة هو جزء أصيل من سوق التنمية الفلسطينية، ولكن هنا كلمة للراهبات. جميع الشرطة والأجهزة الشكر للجميع. Nous les étudiants palestiniens, nous voudrions par notre présence relever notre pays déchiré, écrasé par l'injustice. Que notre avenir soit fleurissant et bienfaisant pour tous. Et malgré tout, nous gardons notre courage et notre espérance dans un avenir meilleur.